salut tout le monde, c'est Luc de Bifaris Reptiles, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la bourse reptile de Ham Terraristica en Allemagne. Donc comme je vous l'ai promis sur la page YouTube, donc je vais vous faire découvrir toute la bourse. Comme vous pouvez le voir, il y a là quand même pas mal de queues. Il faut savoir qu'il est 8h05 du matin et que ça ouvre seulement à 10h. Donc on est 2h en avance, vous pouvez quand même voir qu'il y a quand même déjà pas mal de monde. Donc au cours de cette petite vidéo, de ce petit reportage, j'ai tenté de vous faire découvrir des espèces quand même assez rares et surtout de vous faire découvrir toute la bourse en détail afin que les personnes qui n'ont pas pu justement venir, car soit c'est trop loin ou pour différentes rayons, puissent vivre tranquillement ça. Donc je rappelle quand même qu'il s'agit de la bourse de Ham de mars 2015. A tout de suite. Inside the mountain, I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire burning the breeze. I hope that you remember me. C'est Luc de Bléfaris Reptile, comment allez-vous? En tout cas pour ma part, très très bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo récapitulative sur la bourse reptile de Ham. Alors malheureusement, contrairement à ce que j'avais promis, et c'est pas de ma faute, les photos et vidéos étaient interdites. Donc comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'étais vraiment très très motivé. J'ai fait une vidéo devant le salon montrant la file déjà le matin à 8h, en sachant qu'on est venu 2h en avance. Voilà, j'étais vraiment motivé à vous faire un travail très très professionnel, vraiment un petit reportage pour les personnes qui ne pouvaient pas y aller. Malheureusement, les vidéos et les photos étaient interdites, donc on a quand même essayé de passer à travers chez Maï, sauf que quand on est rentré, il y avait des vigiles, ils m'ont pris le trépied de l'appareil, tout ça, et donc c'était des Allemands, donc j'ai pas cherché trop la merde, honnêtement. Je me suis dit, je vais pas me prendre un coup de trépied dans la tronche, donc j'ai préféré rien dire. Vivre la bourse au maximum, parce que c'est quand même à 6h30 de chez moi, donc voilà, je comptais quand même en profiter un maximum. Malheureusement, j'ai pas pu ramener le contenu que j'aurais souhaité. Je le ferai au courant d'autres bourses où j'aurai le droit. Je sais qu'il y en a quelques-unes que je connais déjà où on a le droit, donc je vous ferai vivre ça. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas le droit, mais en tout cas voilà, c'était comme ça. Donc pour m'excuser, je vous propose une vidéo sur ce que j'ai acheté et mes projets. Et donc voilà, j'espère que vous comprendrez, c'est vraiment pas de ma faute et que j'ai fait le maximum que j'ai pu pour vous en ramener. Malheureusement, en fin de vidéo, je vous mettrai quand même une photo où j'ai demandé l'autorisation pour la faire. Je vous en dis pas plus. Oui, c'est ma copine qui a demandé l'autorisation. D'ailleurs merci, d'ailleurs je la remercie énormément car elle a quand même fait plus de 12 heures de route en ayant dormi 2-3 heures, donc honnêtement, chapeau, voilà. Donc on peut lui dire bravo, applaudis-toi, allez. Donc voilà, voilà, j'espère que vous comprendrez, en tout cas voilà, maintenant je vais vous parler de ce que j'ai acheté. Donc premièrement, j'ai décidé d'acheter un fond en écorce, donc qui fait 90 sur 60. Donc pour le prix, j'ai payé 25€, donc deux têtes, ça vaut un peu plus cher chez nous. Je me suis dit, si déjà j'y vais, il faut quand même que j'achète quelques petits trucs, parce que vu la distance que ça fait. Après, il n'y a pas forcément l'achat qui était derrière, mais aussi la découverte de nouveaux reptiles. Pour vous expliquer un peu ce que j'ai vu du... Bon, je vais vous parler beaucoup de Gekkonidae, vu que voilà, c'est un peu mes passions. J'ai vu du Néphrurus, pour ceux-là qui connaissent, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas partout. J'ai vu un autre, mais ça je vais pas vous en parler parce que la photo viendra en fin de vidéo. J'ai vu tellement du Varan, du Gecko, enfin du Gecko à crête de phase magnifique,
J'ai vu tellement de choses que je sais même pas où donner de la tête. En parlant d'autres choses, j'ai vu de l'Amiga, de l'Anaconda, des phasmes. De quoi? Ah oui, des scorpions, elle me rappelle, vu qu'elle était avec. Ah ouais, j'ai vraiment vu plein plein de choses, je suis vraiment. Ça me dérange un peu de pas pouvoir vous faire de vidéos, mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien, et malheureusement, vous pouvez demander pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais vraiment emmené beaucoup de matériel, on va dire. J'avais deux appareils photo, une GoPro, les micros, tout, j'avais vraiment tout emmené, les trépieds, tout, pour vous faire un contenu le plus professionnel possible, mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus, on va continuer. Donc, un fond en écorce de 90 par 60, avec une bonne largeur, à 25 euros. Ensuite, un terrarium, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ce terrarium sera destiné à mes jeux Quakrets. Donc vous allez me dire, ouais, il fait quelle taille? Donc la taille, vous l'avez là. Donc vous l'avez là. Qui fait 60, 40 de profondeur et 80 de hauteur. Donc c'est plutôt pas mal. Je compte mettre un mâle et une ou deux femelles avec une rampe, tout ça. Vraiment, ça va être vraiment, vraiment classe. Je suis vraiment fier. Et d'ailleurs, ça va être aussi dedans. Pour ceux qui ne s'en doutaient pas. Et donc voilà, donc actuellement, j'étais dans un petit terrag, c'est très bien. Mais c'était en attente parce que j'avais un autre terrag que finalement n'allait pas. Donc résultat, j'ai mis en attente. Enfin bref, c'est une petite histoire qu'il fallait suivre du début pour vraiment tout comprendre. Mais bon, le principal, c'est que maintenant, leur terrag arrive. J'aurais pu déjà le commencer hier soir en rentrant, mais bon, j'ai préféré d'abord vous faire la vidéo. Plutôt que de commencer ça de mon côté, quoi. Ensuite, le photographe va suivre. Ensuite, j'ai acheté décor de coco, la fibre de coco, donc une sorte de tourbe de coco qu'il faudra mettre au fond. Pareil pour le même terrain, j'ai beaucoup acheté pour le gecko à crête, pas tellement pour le d'ailleurs, si, quand même ça, pour le gecko léopard. Donc voilà, de la fibre de coco, c'est plutôt pas mal. Ça s'humidifie très bien et c'était des blocs. Pour celui-là, oui, j'ai oublié de dire le prix, j'ai payé 89 euros. Donc vous voyez, ça fait pas tellement cher au final. Ça, j'ai payé 3 euros le bloc. Vous voyez, ça se négocie pas mal. Ensuite, pour ceux qui connaissent, et je voulais vous en parler dans la vidéo qui arrive jeudi prochain. Donc, comme pour ceux qui ne le savent pas, tous les jeudis, j'ai une vidéo une vidéo de renseignement, donc du tuto du renseignement sur le gecko léopard. Du gecko à crête, la législation, tout ça, et bientôt un nouveau projet sur de la dendrobate. Alors j'aurais dû en acheter hier, malheureusement, vu que mon terrain n'a pas fini de pousser, j'ai préféré attendre. Je suis pas du genre à acheter l'animal avant d'avoir fini le terrarium. Donc pour ceux-là qui ne connaissent pas, ou pour ceux-là qui connaissent, donc je reprends, voilà, donc ma copine a voulu faire un petit zoom, donc c'est du Rhaephagie spécial gecko à crête, donc Corellophus. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous en parler dans la vidéo qui arrive jeudi prochain à 11h30, donc comme tous les jeudis à 11h30, une vidéo renseignement, pardon, et 2-3 vidéos bonus dans la semaine concernant mes achats, mon quotidien et mes reptiles pour ceux-là qui le savent déjà, ou ceux-là qui ne le savent pas. Donc le Rhaephagie, c'est tout simplement une nourriture en poudre. Pour ceux-là qui intéressent, c'est très très bien. Plus besoin de donner d'insectes, plus rien. Donc pour ceux-là qui se demanderaient comment ça fonctionne, je vous propose une vidéo jeudi prochain à 11h30 sur la chaîne. Voilà. Donc ça pareil, ça vaut une dizaine d'euros à peu près le petit pot. Vous pouvez l'avoir en grand pot, etc., etc. Et ensuite, bon là, je vais pas m'amuser à vous les montrer. C'est tout simplement des grillons. Donc c'est du taille 4. Je l'ai pris comme ça va pour le gecko qui est un peu petit. Mais bon, j'en donnerai un peu plus. Pour les geckos à crête, c'est très très bien. Donc voilà, donc je vais me remettre de ce côté pour qu'on puisse quand même voir. J'avais encore quelque chose à dire à la fin de cette vidéo. Je remercie Snake Reptile. Donc ça me tient vraiment à cœur et ça m'a énormément touché ton geste. Donc il a parlé de ma chaîne dans une de ses vidéos. Donc j'en ai même des frissons. Donc voilà, pour les personnes qui me suivent grâce à lui, merci beaucoup de faire confiance. Je remercie encore Snake Reptile énormément. Je vais te faire un cadeau. D'ailleurs, tu sais déjà c'est quoi, hein, mais bon, ça c'est un petit cadeau. Parce que là, c'est tout simplement, pour ceux qui veulent savoir, c'est tout simplement une bannière pour YouTube.
Voilà. Et pour te remercier, j'ai vu que tu t'amusais pas mal avec Rome Reptile, donc je mets également son lien, enfin les liens des deux chaînes dans la description. Je te propose de me lancer un défi, le défi de ton choix, pour te remercier encore pour ce que je trouve même plus les mots pour ce que t'as fait pour moi et pour la chaîne surtout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets encore la photo du fameux reptile que j'ai réussi à voir enfin. Il était temps que c'est un gecko. Enfin, gecko, voilà, bah, je me suis loupé, hein. Voilà, on s'en doutait que c'était du gecko, mais bon, c'est vraiment un animal que je souhaite acquérir un jour. Malheureusement, voilà, c'est un certain coût, mais bon, je vous mets la photo tout de suite. N'hésitez pas encore à liker la vidéo, partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous souhaitez. À me rejoindre sur ma page Facebook où vous allez voir l'avancement du terrarium en détail avant tout le monde. Et à me rejoindre sur YouTube en vous abonnant. Tout est dans la description. Je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de Blefaris Reptile. Ciao tout le monde.